chez moi, envie de m'amuser. J'ai téléchargé l'appli qui fait rêver. Des messages par milliers pendant plusieurs jours. Et j'ai senti alors la naissance d'un possible amour. Rendez-vous au bar, j'ai mis 2 heures à me préparer pour ce premier encart. Je m'étais même lavé. Malheureusement, il m'a posé un lapin. J'ai encore fini en chien devant TF1. Swipe à gauche, swipe à droite et ça marche. Moi j'ai envie d'y croire car quelquefois ça marche. Swipe à gauche, swipe à droite et ça marche. Tout le monde s'arrête à vous, ça part en clash. Je me suis reconnecté et je l'ai repéré. Super cultivé, il m'était destiné. J'ai remarqué un petit détail qui brillait. Ce bel enfoiré trompait sa femme régulièrement. Il s'est mis avec elle seulement pour son argent. Il m'a dit qu'il deviendrait mon meilleur coup. Alors dans ses bijoux j'ai swipé mon genou. Swipe à gauche, swipe à droite et ça marche. Moi j'ai envie d'y croire car quelquefois ça marche. Swipe à gauche, swipe à droite et ça marche. J'ai pas lâché l'affaire, j'suis restée abonnée. 19 euros par mois, ça commence à douiller. Mais ça valait la peine quand j'ai vu ce beau mec. J'avais envie de frotter mes joues entre ses pecs. On s'est écrit longtemps, on avait plein de points communs. Puis j'ai compris pourquoi, car c'était mon cousin. Le chien, il m'avait pas reconnu, et cet abruti avait mytho sur ses photos. À ce moment-là, j'y croyais plus, j'étais perdue. J'ai posé mon GSM, et c'est là que je l'ai aperçu. Le serveur du bar où je donnais tous mes rendez-vous. Il swipait son balai sur le sol, c'était si fou. Et ça se swipe, et ça se like, et ça se swipe.